pocket full of posies. Hey, salut tout le monde, c'est Priya, j'espère que vous allez bien les amis, très très heureuse de vous retrouver sur le live avec notre belle Sarah. Allô tout le monde. Donc, oh là, il y a déjà beaucoup de monde là. Salut Ouais. Claire, salut Alex, salut Cédric, coucou Victor, hello Ludo, comment vous allez tous? Bienvenue donc, bon, on va mettre prêt, hein, comme ça, let's go. Donc on s'était laissé, on était dans le cimetière, on avait réussi à sauver tout le monde. On va voir si on va pouvoir continuer à sauver tout le monde. On ne sait pas. On va peut-être crever aujourd'hui. On verra. Niveau du son, est-ce que vous êtes bon? Tiens-moi au courant, Ludo, si c'est bon au niveau du son. Donc j'ai pas mis le live sur YouTube, parce que d'habitude je le mets sur YouTube, mais vu que j'ai des problèmes un peu avec ma box, je vais pas prendre de risques. On sait Ouais. jamais. Je prends pas vraiment de risques. Donc je retransmettrai juste la vidéo. C'est pas grave. Yes, tout est good. Ça va alors. Super. Merci Claire. Bon, ben on est déjà pas mal là, pour ce début. Pour ce début de live qui n'a pas encore commencé. Ouais, c'est ça, on n'a même pas chargé le jeu. Tu demandes si ça va? Voyons, une espèce de gargouille mutante radioactive a voulu bouffer Est-ce nos que amis. t'entends trop mon... Notre professeur s'est transformé en Boy Scout. On est coincé dans une ville de merde et sa putain de brume. Salut et Mickaël, comment ça va? Merci beaucoup Ludo pour le partage. Sorcellerie ou je sais pas trop quoi. Ça va super, ouais. Et toi, sinon? Entre nous, je suis encore un peu secoué par l'accident. Ah. Attends, je me souviens plus, je suis qui là, puis il faut que je débloque quoi. Pas de soucis. C'est beau. Il y a aussi cet accident. C'est de mieux en mieux. Ok. Qui est qui, là? Moi, je suis le gars. Moi, je suis elle, ouais. C'est quoi ce bruit? Attends, mais je comprends pas. On est là, on n'était pas avec Angela, puis Josh, puis Andrew? Non, on a muté ailleurs. On a muté. Ok. Ooh. Witch Trail. Sentier historique de Little Hope. Sentier le des chemin sorcières. Des ouais, c'est bon. Des sorcières. Salut Greg, comment ça va? Ça va super et toi? Ça me plaît pas trop, je préférerais passer ailleurs. Ah, c'est clair, moi aussi. Il y a une carte ici. Attends. On va mettre l'iPad oh, plus putain, proche. J'ai eu peur. C'était des arbres. Sympa comme balade. Ça part fort aujourd'hui. Putain, mais on peut pas rester assis et attendre que le jour il se lève. Ils sont cons ou quoi? Moi, c'est ça que je ferais. Ben ouais, moi j'aurais resté assis dans le bus, attendre que le jour se lève. C'est clair, je vais pas venir me balader en plein milieu de la nuit. C'est complètement barjo. Dans une forêt. Et puis fallait... tu vois... Alex rigole encore du fameux cri, pardon. Tu vois? Tu sais, je veux dire, tu vois une créature qui bouge, moi je m'assois dans le milieu puis je bouge plus. C'est fini. Mais moi je crève, je monte en haut d'un arbre et je bouge plus. C'est encore Cette la Gollum. Peut-être encore là. Ouais, mais bon, la Gollum, elle est pour la non, vieille et pas pour nous. Il y a longtemps, j'en suis sûr. En plus, mon chum est en train de jouer à Diablo parce qu'il a été refait, là, Diablo 2. Hein? T'es plus légère que moi. J'ai dit, tu me fais pas peur, là. Il y a pas moyen que je traverse la merde, c'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Pragmatique. Ouais, bon. Je passe devant. Je vais traverser et toi, tu me suis. Si le pont s'effondre pas. Si tu crèves, c'est pas de ma faute. Ok, je suis prête. Mais pourquoi tu éclaires pas ta truc, toi, cloche? T'avais une lampe, maintenant tu l'as plus, la lampe. T'es sérieuse? Hey, tout ça pour ça. Ah, Gollum! Tu sais, c'est là, moi je m'assois là. À terre, un petit ouais, boule. Mais c'est ça, toi, tu dois sortir en milieu, tu vas te faire buter. Pourquoi elle a plus la lampe, elle? C'est nouveau.
Il y a 2 minutes, j'avais une lampe, maintenant j'en ai plus. T'as pas de lampe? Pourtant, non, j'en ai plus. C'est bizarre. Oh, il y a quelque chose dans l'arbre. Oh non, merde, c'est moi. Ok. Oui, oui, t'inquiète, comme tout le monde, Victor. Qu'est-ce que ça dit? Tu vois ce que je vois? Justement. Cet endroit est un immense monument. Cette pierre indiquerait le lieu de sépulture de la première personne exécutée lors des procès de sorcières de Little Hope. Très sympathique. Le sympa, parfait ça. Endroit. Ah oui. Salut Robbie. Comment ça va? Coucou Alex. Putain, ça pue. Oh non, non, non. Oh sa grand-mère. Mais ne touchez pas. Silence. Ils sont juste là pour nous faire peur, eux. Ils nous attaquent pas. Ah non, il est venu exprès pour qu'on connaisse l'histoire. C'est le ouais, père. C'est ça. Salut Chantal, comment ça va? C'est la gamine qui est maléfique? Ben oui. Je comprends pas. Ma chère et tendre amie, elle l'a proclamée juste avant d'être exécutée. Afin que le mal cesse, il faut arrêter Marie. C'est difficile de croire qu'elle soit maléfique. C'est une peste, mais de là à dire qu'elle est diabolique. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée? Je l'ai fabriquée de mes mains. Ah, c'est moi. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Allez, Robin, il y a 1h30, là. Lève-toi. Allez, lève-toi, sale gros feignasse. Ah, putain, il y a encore des bugs. J'ai eu un bug, là. Oh, ça va. Alors, c'est peut-être que moi qui ai eu un bug. J'ai rien vu, moi. Ouais, mais alors, ça doit être que mon, hein. Ça doit être mon ordi à moi, alors. Non, c'est pas moi, Greg, là. Moi, j'ai déjà donné le... C'est bon, elle a déjà crié. C'est peut-être moi qui vais gueuler aujourd'hui. C'est dans quel jeu que j'avais hurlé? Je crois que c'est dans les Resident Evil que j'avais fait des cris de fou des fois. Aucune j'avais peur de réveiller mon okay, fils. Ok, alors on est bel et bien coincés ici. Vous ne les avez pas vus? Non, toujours pas. J'espère. J'ai vu un... J'aurais déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Un bug de connexion. Puis après, ça leur partit ton live, Priya. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? Mais moi, je suis... avec Andrew, puis Josh, puis Angela. Ah, mais moi Angela. Aussi. John. Moi aussi. Oui. Vous voulez la suivre? Elle pourrait s'en prendre à nous tendre un piège. Les deux petites filles... C'est les mêmes. L'une est du passé, et celle-ci est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celle qui... Le gamin zombie avec sa grosse tête? Non, lui, j'ai pas gueulé, lui. Lui, j'ai pas hurlé. Je sais plus ce que c'était. J'ai fait un bond... Je m'y attendais pas. Je crois que c'était dans Resident Evil 7. XIIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor. C'était pas dans le 8. Devait passer ici, j'ai plus fait de sursauts dans le 7 que dans le 8. Prudence. J'ai les mains moites. Qui sait ce qui nous attend. À tout moment, nous refait un cri strident, les gars. Tu vas encore te faire bouffer. Ah, elle s'en vient, elle s'en vient. Hey, regarde-tu, elle s'en vient, c'est sûr. Angela, elle attend en arrière. Elle s'en vient. Angela, mais casse-toi, on va la perdre, on va crever, la vieille. Oh non, non, non. Cours! Cours! Il y a Gollum, mais il va venir te bouffer le cul. Vous êtes là? Et ça y est! C'est bon, on est mort, elle est morte. J'ai raté, elle est morte. Ah, oh, c'est toi? Ouais, c'est moi. Aidez-moi! Allez, vas-y. Je vous tiens. Je t'ai eu. Ah! C'est bon, on l'a perdu.
non. Ouais, j'ai raté, je suis nulle à chier. Qu'est-ce que je suis nulle. C'est lequel là? Ah non, j'ai réussi à m'en dépêtrer. Ok. Je sais pas maintenant. Putain, je vais me rater encore. Hein. J'ai survécu là pour l'instant. Angela, est-ce que vous êtes là? N'y va pas. Aide-moi à descendre. Mais non, tu vas crever toi aussi. Ouais, 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 mais non. Quoique non, oh, et non, si l'autre elle est venue, si Gollum il est venu pour Angela, il va pas tuer l'autre. Elle est venue pour toi, c'est ça. Non, non, je m'en viens voir. Je peux pas m'en aller là. Ah, moi j'aurais essayé de laisser la vieille toute seule. Angela! Vous m'entendez? Je vais pas crever. C'est John! Angela! Angela! En plus, ça fait une belle cinématique là. Coucou ma petite Céline, comment ça va? Allô Céline. Qu'est-ce qui reste? Ses lunettes. Oh putain, plus les lunettes, elle voit plus rien la vieille. Mais il a pas vu qu'il y avait un autre trou, il a pas regardé. Ouais, oh, il voulait pas y aller pied, là. Ouais. C'était sa limite, j'imagine. Il fait comme non mais là, je vois pas jusque dans ce trou là. Oh. Hey. Ben oui, bien sûr. Mais oui, celui-là. Suivez-la, la pauvre gosse. Mais moi, je cours vais trucider, elle. Oui, ça va, je bois mon petit café. J'essaye de survivre. Viens m'aider, s'il te plaît. Bon, la vieille, elle a survécu. Pour l'instant. Mm-hmm. Elle est pas morte. J'ai réussi. Au final, sur 4 trucs, j'ai réussi à 2. Mais en fait, j'ai compris. C'est parce que moi, je pensais que c'était tout le temps carré. Alors, moi, j'appuyais tout le temps sur le carré. Une sorte de musée. Pas du tout, en fait. La petite fille. Du calme. Il y a juste un bouton sur la manette et c'est carré. C'est ça bizarre. Et moi, pour moi, carré, c'est court. C'est tout. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain? Appuyez sur le carré. On s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira. Merci beaucoup Valérie pour le follow. Bienvenue à toi. Ils ont survécu. Fait que Priya t'a réussi juste sûr que c'était des carrés, c'est ça? C'est ça. J'ai réussi le carré. Cette gamine seule. Et après, quand j'ai vu que l'autre, la deuxième fois, c'était pas le carré, j'ai dit ah merde. J'ai attendu et en fait après j'ai réussi le deuxième. Fallait viser. Cet acte est dressé par le conseil 7e jour du mois de janvier de l'an 1692. Par illisible, vous êtes enjoint à illisible de carte de terre illisible près de la Western Rivers et de Leafy Hill. Toutes les habitations présentes sur ces terres devront être libérées. Le bétail et illisible deviendront la possession du illisible. C'est la meuf, elle dit tout. De son ancien contrat, cela couvrira les coûts de l'Angleterre, soit la somme de 20 livres. Mais en fait, on s'en balec de ce que vous racontez, quoi. Au fond, c'est un musée. On est dans un musée en ce moment, Pierre. Parce que moi, j'ai pris un livre. Ça dit que c'est un livre du musée qui coûte 7,99. Il y avait le panneau musée, même si c'était... Il y a comme une porte, c'est vrai que je vais cliquer. En morceaux. Attends, il y avait des gens dedans. Non, c'est un musée Glock, en fait. Avec des... Mais je pense que c'est un musée des Witch Trials. Quand même. Sacré musée, les gens pendus. Oui, c'est quand ils ont tué des sorcières. C'est un peu flipouille. Hein. Mmh. On inspecte les gens pendus. J'ai ça, faire ça me fait peur. J'ai peur qu'il se réveille. Mercredi. Oh. Mercredi. Perturbant. Bon, j'en ai assez vu, là. Ça m'a foutu les jetons. Oui. Voilà, c'est ça, je me disais, mais pourquoi je dois bouger? Ça avait l'air. Amy a été accusée de sorcellerie par la jeune Mary Milton. C'était la femme.
qui prétendait l'avoir vu voler sur une branche de saule. Quand la cour lui a dit que Kaimi avait été vue par des témoins à des kilomètres du lieu, Marie a déclaré « J'ai vu ses lèvres bouger pour parler à je ne sais qui et j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon qui m'était envoyé sous la forme d'Amy. » Le révérend Carver a accepté ce témoignage comme preuve spectrale. C'est vraiment une saloperie. C'est Mary. Mary, c'est la petite fille. Ouais, une saloperie, la petite Mary. C'est pour ça qu'ils ont... Ah, ça, c'est le révérend. Des gens qui se coquinaient avec le diable. Moi, Mary ouais. Milton, déclare dire la vérité Marie quant au mal dont j'ai pu être témoin. Ça doit être avant le jour du vu. Sabbat, Madame Hemy, près du frêne... Madame Hemy, c'était pas sa mère? Ouais, mais là, c'est Mary. Mais c'est la petite fille, ouais. Ben oui, mais... Qui dit ça de sa mère. Voilà, elle appelle sa mère comme Madame Hemy. Elle dit même pas maman, la meuf. Elle est flippante, la gosse. Communier avec Black Samuel, un esprit ayant la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme. Puis elle a tourné 3 fois autour d'elle-même et a accepté de servir l'esprit et de lui livrer les enfants du village. Ensuite, elle a confectionné une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque lui résisterait. Ceci n'est qu'un exemple des faits ignobles dont j'ai été témoin. Très mature, la gamine, quand même. Non, mais c'est un gros mensonge parce que c'est elle qui l'a fait, la poupée. Ben c'est oui. Mary qui a fait la poupée. Mais oui, c'est elle, la tarée. Mais elle parle super bien pour une gamine. Foutre de notre gueule. Rien que sans parler, je saurais qu'elle ment. Pourquoi tu mens? T'as-tu remarqué? Trop bien. Il y a plein de... Il y a plein comme de mannequins. C'est vraiment flippant. Ouais, je les ai vus. Pendus. Tu devais dire mannequins. Les mannequins pendus. Oh, il y a la poupée ici, Priya. Attends. Pourquoi je peux pas le voir, celui-là? Ah, il veut pas. Viens jeter un œil à ça. Ah, ça doit être parce que j'ai vu la poupée. Ouais, c'est pour ça, c'est pas grave. Je l'ai déjà vue. Où? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvée par terre. C'est là que Attends, nous avons fait la première fois. Intéressant. La vidéo est interrompue. Hein? Ce truc aurait vraiment plus de 300 ans. Comment ça, ta vidéo? Le jeu Tout ou... Ici a l'air d'être fou. Non, la vidéo du live. Ah bon? Je l'ai toujours, moi. Ça dit... Mais c'est peut-être moi, d'abord. Ouais, non, moi j'y suis, je suis toujours là. Ok, parfait. Moi, c'est pas grave, moi je le vois, c'est mon... Okay. Vous avez encore le live, les gars? Vous voyez toujours le live? C'est bizarre, parce que, ouais, non, moi j'ai... Peut-être que ça aussi. Non, j'ai tout, 58 FPS... Oui, Claire l'a dit oui. Regardons ça. Ok, parfait. Après. Tout le monde a dit c'est oui. Moi, okay. Merci beaucoup. Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets. Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok? On l'apprend. Oui, tu as raison. Ouh. Je me suis quelque peu laissé emporter. Mais moi, je la prendrais même pas, la poupée. Tu veux quoi, qu'on soit possédé? Okay. Oui. Ok, on pense... La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Je vous fais un cours d'histoire. Bon, alors moi, je retourne sur mon mur, là-bas, là. J'étais là, ouais, quand tu m'as interrompu. Pour une poupée. Rien. Ok, d'accord, j'ai plus de lampe. Il n'y a plus que toi qui as la lampe. Pourquoi il n'y a plus que toi qui as la lampe, maintenant? Comment ça me saoule cette histoire? Tu perds toutes tes lampes. Qu'est-ce que tu fais avec tes lampes? Ah mais ça y est, ma lampe elle est revenue. Je ne sais pas. Bon par contre ce truc là, je peux plus y accéder hein. Mais moi non plus, mais je vois le. Ça me dit qu'il y a quelque chose, mais je peux mais pas. Moi aussi, on peut pas. Ben ça doit être un petit bug, c'est pas grave, ça arrive. Bon, je vais ici. Allez, on se casse. Salut Pascal, comment ça va? Ok, je suis prêt. Là, on peut sortir. De toute façon, tu pouvais être rentré, tu pouvais ressortir de toute façon. Par la porte de ton entrée. Le truc, elle est à l'envers. Passer, la petite fille.
Elle nous amène là et elle s'évapore. C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. Appuie sur café. J'en suis pas convaincu. Si pour les personnes qui n'ont pas suivi, appuie sur carré, c'est parce qu'en fait, moi, quand je flippe, j'appuie sur carré parce que carré, c'est pour courir. Donc à chaque fois que je dois faire une action, j'appuie sur carré alors que c'est pas ça du tout. Tu dois appuyer plus sur plusieurs autres symboles, tu vois, dans le jeu. Mais moi, comme une tarée, ce qu'il dit. Vu que ça m'angoisse, j'appuie que sur carré. Donc je crève, ça marche pas. Merci beaucoup Jean-Paul pour le partage. Je suis Daniel, moi, là. Ouais, moi, je suis la meuf encore. T'entends ça? Il y a eu... C'est la vieille. Oui, je sais pas trop. Hey, ah, tu penses? Ouais, c'est la vieille, je suis sûre. Et c'est les égouts. Où, là-dedans? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Ben non, si c'est Angela, la pauvre. Tu vois pas. Ouvrez-y. Ouvrez-y la grille. Sûrement aussi paumé que nous. Non? Tu crois qu'ils nous cherchent? Possible. Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec. On voit tellement rien. T'en es mort, de ça? C'est trop la noire. Ouais. La noire. Je la connais depuis longtemps. C'est trop la nuit noire. Plus longtemps que vous tous. J'ai oublié de me... la et nuit noire. Mais elle n'est pas si dure que ça. Une petite maison. Oui, c'est cool, Jean-Paul. Ça rigole. Mais ça, on rigole parce que moi, je fais que des conneries, bah, comme d'habitude. Hein. Si vous venez pour faire des... pour regarder un jeu sérieux, vous êtes foutus, les gars. Changez de chaîne. Je fais que de la merde, moi. J'appuie que sur carré. Non, mais je l'ai été dans une autre vie. Ah oui, moi, j'ai trouvé... on a un abonné qui veut m'obliger à jouer en mode expert dans Breath of the Wild parce qu'il dit que c'est nul de pas jouer en mode expert. Porte de merde. Mais j'ai pas compris. Alors, je lui ai dit que j'avais déjà fait le mode expert, que ça m'intéresse pas. Il dit c'est pas possible, ça plaît à tout le monde le mode expert. Je pense que des fois, il y a des gens qui comprennent pas trop les opinions et les goûts des autres. C'est flippant quand même. Ah, moi, le mode expert, c'est non. Je l'ai fait, le mode expert, dans Breath of the Wild, et je sais pas... Non, mais tu passes ton temps à te chercher des armes, là. C'est ça, mais j'ai pas kiffé plus que ça, en fait. Et je pense que chacun, on a tous une... Viens voir ça. Bah, des plaisirs, chacun différents. Et il en démordait pas. Pas dû être visité depuis un bail. C'est vrai. Bah, oui. Oh, ouais. Et tu me dois 10 balles. Tu me dois 10 balles. Je te dois que dalle, j'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Non, donne-moi mon argent. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. Et là, tu essaies de m'arnaquer, meuf. Allez, mec. Ça va, t'as fait ton muscle, tu sais que t'as ouvert une petite fenêtre. Non, on sera pour savoir ce qui se passe devant. Ouais, maintenant, va à l'intérieur. Ouais. Ben, tiens. Le mec, oh, mais c'est une fenêtre, hein. On dirait que t'as soulevé 3000 kilos. Colin. On se détend, Schwarzy, ne casse pas. C'était un petit prêtre. Très drôle. Viens. Mais c'est malade. Rejoindre. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais crié, j'aurais fait. C'est ce que j'ai fait à mon chéri. Une fois, il a essayé de me faire peur. J'ai envoyé un coup de poing. Suis-moi. Il fait voilà. Plus. Il a rigolé. Coucou Benoît, comment ça va? Bienvenue à toi. Ils me font flipper. T'es là? J'ai vu. Tu as vu un mec j'ai passer? Vu quelque chose. Ah, j'ai su. C'est bon, on va crever. Ouais, oh, je comprends pas pourquoi ils vont. Je comprends pas leur tu courage, ils viennent d'où. Non, mais c'est des films, hein. C'est dans la vraie vue, ça se passe pas comme ça. T'es sûr que c'est prudent? Non. Y a quoi dans les films que tu les vois qui disent... Non, il y a des morts partout, mais je vais quand même aller voir au cas où. Au cas où. Il n'y a que dans les films que le maire qui dit il y a plein de morts, mais je vais quand même aller voir. Au cas où. Mais jamais. Au cas où. Elle m'a fait flipper. Dieu seul vous enlèvera ce fardeau.
Joseph a déclaré à la cour que Marie m'a fait flipper la connasse. D'un jouet diabolique. D'habitude, on m'a fait pas flipper, mais là, ouais. Il m'apparaît clair que vous, Tabata, ça dit qu'il faut que je te trouve, mais je vois absolument rien. Vous allez me suivre. Marie, dis-lui d'où vient cette poupée, que tu l'as fabriquée toi-même. Tu dois confondre, ma chère sœur. Cette poupée ne m'appartient pas. Comprenez-vous pourquoi je requiers votre aide? Pitié! Qu'est-ce que j'ai dit, Robin? Je me souviens plus. Quelle est cette diablerie? Sorcière! Votre maître ne peut plus rien pour vous. Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah merde! J'aurais pas dû prendre la poupée. Pour l'ensorcellement de cet enfant. Je t'en prie, Marie, dis la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une peccadille. C'est vous, femme. Défonce la porte, arrête de pousser dessus. Ok. Mais j'étais dans un trip. Il y avait des voix. Salut Abdou, j'aurais pas dû la prendre. J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé. Fringuée chelou et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. Merci Raphaël, bienvenue. Ah, je sais pas quoi dire. Toi qui as fait ça? Oui. Il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je vais être bitch. T'avais juste à pas t'en aller. Ben, voilà ce qui arrive quand on part se balader sans prévenir. Bah, chier, Daniel! Je croyais que tu me protégerais! C'est n'importe quoi. Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont butée. Ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Ah, moi aussi, Benoît, je me suis entraînée hier, puis j'ai mal partout aujourd'hui. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. Puis capable de marcher. Viens. Prends le couteau, mec. Allez, pousse-toi. Ouais, il y a quelque chose. Non, je le prends. Milieu, celle-là. Bien sûr qu'on le prend. Tu crois quoi? Il y a des fous. Moi, je le prends, comme ça je vais buter les gens. J'ai trouvé un couteau. Hein? Je vais vers Chucky. Tu crois qu'on devrait le prendre? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Je vais le garder sur moi. Je te le donne pas, tu rêves. Je suis une fille. Tu es un mec, toi. Toi, tu te bats avec tes mains. Moi, je me bats avec des couteaux. C'est logique. Avec des couteaux. Plein de couteaux. Oui. Allez, viens, on se casse. Attends, non, il y avait une prémonition sur une table. Ah non, c'est pas ici. Attends. Fais-moi des bisous. Mais tasse-toi! Comme des Sims, là, je peux pas bouger, il y a une table devant moi. Non, mais là, on est là où ils étaient les deux autres tout à l'heure, en fait. Ah, mais ici, il y a une prémonition. Ah! Oh, ça fait... Oh, l'abîme. Le corps, il est tombé. Mais en fait, on est exactement là où ils sont les deux gars. J'ai trouvé une bible. C'est un secret. Ah, ça y est. J'ai trouvé une carte. Une prémonition. Ça, c'est moi. Il va falloir que je me cache derrière un rocher. Ok. Si tu viens où est-ce que je suis, un secret, puis on peut le lire. C'est juste que moi, si je vous le lis, je vous le lis en anglais. Fait que... Alors, attends, je sais pas où est-ce que t'es deux secondes. Ah mais si tu l'as pris, je l'aurais plus le secret. Oh ouais. C'est moi qui le débloque. Ah ok. T'es où? Je peux plus rien voir. C'est encore la vieille ça. Ah mais ça on est en train de revoir tout ce qu'ils ont vu, ça sert à rien. Salut Ophélie, comment ça va? Ah oui, c'est sûr que dommage c'est pas nos dialogues qui disent, t'imagines c'était nous qu'on parlait. Ça sert à rien qu'on soit ici. C'est vrai. Alors attends, c'est où que tu avais une prémonition toi? Un secret. T'es où en fait? Je sais même pas où t'es. Attends. J'étais où est-ce qu'il y avait tous les trucs illisibles? Ah, je suis là. Vas-y, je te vois. Ok, suis-moi.
Ah là, là, il y a plein de trucs. C'est vrai que ça aurait été drôle. Donne-moi des bisous. Tasse-toi! C'est là. T'imagines? Oh, putain de merde. Oh, no way. Oh, c'est flippant là-dedans. C'est quoi ces trucs? Les éléments étant loin de leur place habituelle, les parties homogènes se sont disloquées. Il est possible de réduire chacune d'elles à leur forme élémentaire. Une ligne est bien produite par le déplacement d'un point. Ce doit être la même chose ici, corps, âme et esprit. Urk. C'est Dark... Vas-y. C'est Dark Picture Little Hopes, parce que quelqu'un m'a demandé c'était quoi le jeu. Ah, bonjour Amélie, bienvenue à toi. Donc Dark Picture Little Hope, comme elle a dit Sarah. Ah, viens, on passe par là, là. C'est bloqué. Ben, sers-toi de ton couteau, meuf. Prends ton couteau pour faire tout. Où est-ce qu'on va? Ben, je sais pas, il va falloir qu'on aille rejoindre les gars. Parce qu'ils étaient là tout à l'heure en plus. Donc on se suit à la trace. Mais je pense qu'on va sortir par là où sont sortis eux. Elle non, Fabienne, il y a mal au bras. Et la poupée. T'as-tu pris la poupée? Non. Et puis là. Je l'ai prise quand j'étais dans le passé. C'est la fille, elle me l'a donnée. Mais je l'ai pas prise dans le présent. Donc voilà, mais dans le présent, je l'ai pas prise. Allez. Donc elle a disparu. Du fait qu'elle m'a été donnée dans le passé. Eh ben, elle a disparu du présent. C'est chelou. Putain, il y avait une chanson qui disait c'est chelou. C'était une meuf qui chantait. Je la connais pas. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. Cette manière de t'appeler bébé. Tu diras cet aspect. Je vais la taper. C'était ça. Non. J'ai pas connu ça. Je sais plus comment elle s'appelait, elle. Cette chose, on a tous survécu. Quoi qu'elle puisse être, ah, Zao. Par Angela. Merci, Robin. Robin. C'est Zao. Il a écouté beaucoup trop cette chanson. On a sauvé tout le monde pour l'instant. Il écoute la chanson en faisant ses triceps, là, pour avoir des gros bras. Salut Alban, bienvenue. Comment ça va? A une arme. Elle pourrait être utile. Bon, bravo, il est content que ça ait un couteau. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Oui. Des fois, tes indices ne servent à rien, donc on les prend. Je vais dire non. Vous êtes d'accord? Eh bien, comment formuler cela? Oui, c'est ça, Zao, Robin aussi l'avait dit. Démons. Merci, Ophélie. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous. Désolée pour et vous avoir cassé les oreilles avec ma chanson pourrie. De nos regrets. Avec ma voix de merde. Ah, je vais super bien, Alban, merci. Emprunt de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à... Paris. En fait, j'ai pas écouté ce qu'il a dit à cause de vous. Je croyais qu'il allait me montrer une image, moi. Jamais de jugement hâtif. Moi non plus, j'ai pas écouté. J'ai regardé le chat. Et chaque pêcheur, un avenir. On demande des indices, on les écoute même pas, nous. Ce n'est qu'une enfant. Nous en ça dit, tout le monde a des péchés, puis des... Je sais plus. Ce n'est qu'une enfant, mais non, c'est une enfant, elle est possédée. Elle. C'est une barjavel. Voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons. On a donc t'es encore la fille. Jusque-là. Ouais. J'ai l'âge que je suis encore le gars. Si on suit cette logique. Ouais. Stay close la to Taylor. Ok, je vais rester proche. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça? Oh, il y a quelque chose à gauche. Sûr. Mais il t'arrivera rien. Hop, hop, hop. Compte sur moi. Ouais, c'est ça mon cul. Tu m'as pas aidé tout à l'heure. Ah, petite prémonition encore. Examine. Ouah, tu vas te faire buter, mec. Très sympathique le tien de. J'ai l'impression que. Excuse, je vais regarder. J'ai l'impression, Robin, que le gars, c'est plus pour faire comme un. Donner de sa barre au jeu, là. Ouh! Ah, c'est une belle prémonition, ça. Ouais, il est pas là pour faire joli, hein.
Le pauvre, il va crever. Le jour de la remise des diplômes de 1690, tandis que les puritains fêtaient la fin de la scolarité des jeunes hommes de la ville, une armée de Français et d'Amérindiens attaquèrent. Ouah ! Brûlant plusieurs maisons, 8 hommes furent tués et plusieurs femmes et enfants furent amenés et réduits en esclavage. Ah, ça c'est moins cool. En Acadie, le destin de ces esclaves demeure inconnu. Ah non. Au final, c'était pas trop top qu'on soit venu envahir. C'était pas très cool. Serait encore pire si t'étais pas là. On est là l'un pour l'autre. Y avait-tu quelque chose de l'autre côté de la rue? Une maison. Mais c'est la maison d'où on vient, en fait. Mais là, on a marché un peu, non? Non, pas vraiment. Ouais, c'est la maison d'où on vient. Ok. Ah oui, parce que c'est tout noir, après. Oh, putain, je vois plus rien. Merde. Je suis perdue, Sarah. Je peux plus, je vois plus. Allô, Océane? Marche tout droit. Va vers le brouillard. Ah, attends, il y a... Et tu vas réapparaître à côté. Dans cette maison vivait une jeune autrice prometteuse, Tilly Jensen, connue pour son roman gothique, Le Traité des Entravés. C'est dans sa maison que Tilly est décédée dans des conditions mystérieuses. Ah ben non. Ben mange des pains au raisin, Robin. C'est tout. Fais-le. Puis rien t'en empêche. C'est creepy, là. Ah, ça y est. Je t'attendais. Parce que non, je te voyais au... Tu me voyais au loin? Ouais, mais je voulais pas y aller parce que je voulais pas me perdre, moi non plus, puis rien voir. Salut, Océane! Bienvenue à toi! J'espère pouvoir demander pardon à Angela. Non, il a été banni, il est plus là. Il y a tellement de trucs qui nous sont tombés dessus ce soir. Mais je crois que c'est l'entrée du truc, là. C'est quoi, ça? Tourist Office. Robin et sa flemme nationale. Ouais, à mort. Avis de saisie. Visiblement, on est les premiers touristes à venir ici depuis un bail. Qu'est-ce que des touristes viendraient faire ici? On dirait une vraie ville fantôme. C'est clair. Mon furet est en train de monter sa table de cuisine. Il va morfler. On va en face, là. Il y a un trou. J'aurais aimé voir des étoiles, des millions d'étoiles, mais pour X raison, tu ne peux pas les voir. Non, j'aime pas ça. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix? J'en sais rien. De quoi on parle? Dumbala. Je sais pas, il y a une voix. Oh, les étoiles. Ah, je sais pas. Elle voudrait voir plein d'étoiles aussi, elle. En 1995, des fouilles archéologiques ont permis d'identifier ici une couche de cendres et de fragments d'os. Sur ce site aurait été pendu et brûlé sur le bûcher des personnes condamnées lors des procès pour sorcellerie en 1692. On ignore qui a été exécuté ici. Moi et ma daronne. Bon, mais envoie des étoiles à Priya, Océane. Tu veux voir des étoiles? Ah oui, tu peux. Tu appuies sur le truc des étoiles. En premier, si tu remontes dans les commentaires, tu vas voir qu'il y a le commentaire des étoiles, si tu veux. Tu cliques dessus et puis après, je peux plus sortir. Puis après, t'envoies les étoiles. Ludo, tiens-toi prêt, on sait jamais. Ouais. J'ai le nez. Je le file pas, le bout ici, là. Tu vas dans l'espace, t'en verras des étoiles. Oui, franchement, Alban, il est très, très bien, le jeu. J'ai peur. Fais pas flipper le cordeau pourri, là. Hey, corbeau. Regarde ça.
Ah, et ouais, désolé, Océane, ouais. Ça, c'est compliqué. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, j'invente pas. Hé, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Dommage que Damien soit pas là pour nous dire qu'on oublie des choses. C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. Je devais avoir quoi, 10 ans? T'es sûre? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire, je te dis. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Tu vas crever. Mais non, c'est pas la même. C'est qu'une coïncidence. T'es un vrai crétin parfois, tu le sais ça? Genre, ils vont se laisser, hein. Cette saloperie de ville veut me rendre folle. Hé, regarde-moi, regarde-moi. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Oh my god. Ce n'est pas ma faute. Vous devez m'aider. Par pitié. Oh non, non, non. Oh pitié, non, non, non. Aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Plus un mot maintenant. Ah non. Prépare-toi. C'est ton unique. Je vais pas y arriver. On va crever. Écoutez-moi, je n'ai commis aucun péché. La poupée. Dans le doute, carré. N'est qu'un simple jouet d'enfant. Ah. Rien de plus. Dans le doute, on appuie sur carré. Nous devons purger le mal qui s'est emparé de toi pour te libérer et nous tous de ce sort. C'est tu ça, Alex. Prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. Hey, l'ancien Andrew, il a l'air hautain, là. Greg, il reste sur le live juste pour ça. Juste pour entendre les cris. Mm-hmm. Non, mais non seulement c'est dégueulasse, Robin, mais en plus, c'est sûr qu'elle s'en vient, là. Elle s'en vient pour nous, là. C'est mon tour, là, ça y est. Ouais. Il y a Gollum 2 qui vient de chercher. Bien ce soir. Compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. Je crois pas trop, moi j'ai pas trop confiance en ça. Continuez vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, sans doute. Putain, y'a un truc qui brille là. C'est Gollum. J'ai vu un truc qui brillait. Je suis sérieux, y'a plus. Chelou. Alors, je suis prête à te sauver, Priyan. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est moi qui dois te sauver, t'es dans la merde, tu vas crever, meuf. Oh, le chat. J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Oh. Tire-toi de là et vite. Dégage de là, dégage. Oh, okay. Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est toi, meuf. Cours, vite. Bravo. Je me concentre, les gars. On a un tronc d'arbre qui nous court après. Oh non, je me suis trompée. Merde. Bon, parfait, t'es passé devant. Je t'ai pas aidé, désolé, meuf. Non, non, c'est correct. Ah, t'as bien fait. J'étais comme parfait, t'as passé devant. Je vais lui donner des coups de pied en arrière. La main, il y a marqué courir ou aider. Moi, je me suis parée. Ah, mais moi, vu avec que tu es un mec. Oui, mais non. Vu que tu es un mec, je me suis dit, elle va s'en sortir, quoi. C'est un mec. Mais il te court après toi, c'est ton double. Ah, bah oui, c'est vrai. Fait que je suis comme. Oh, carré! Carré, les gars! On a gagné! Ah, elle marche pas vite. Oh, ça va. Mais non, mais c'est correct qu'elle m'ait pas aidé. C'est sûr qu'il fallait qu'elle fasse, c'est sûr.
Ah voilà, tu vois, Sarah, elle a dit qu'il fallait que je fasse ça, parce que sinon je me serais fait buter la gueule. Ben je sais pas, mais c'est sûr que c'est après toi qu'elle en avait. Oui, donc à toi, t'aurais pas eu de risque. Non. Encore. Ah ouais, ça vient de commencer, là. Allez, on va se concentrer. Lui, il s'en fout tellement. Non, moi je me casse, même pas je l'aide à lui. On va te faire foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? C'est vrai que t'as personne. Fallait pas faire ça. Elle s'est fait. Non, j'ai dit t'aide personne. Vous plaisantez? Non, on l'a pas perdu, Angela. Chose d'entrée ou nous la rejoindre. Elle est juste pas pourvenue. Cherchez d'autres entrées. Mais oui, mais ça avait pas dit qu'on avait perdu quelqu'un. D'habitude, ça le dit. Non, 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 ça l'a rien dit encore. On l'aurait vu. Oui, voilà. Donc, mais normalement, lui, il craint rien en fait. Hein. Elle est là pour moi, la meuf. L'autre, le gars du bar, il craint rien. C'est bon. Il était chelou, hein. Ouais. Merci, Albin. Passe une bonne journée. Ouais, il est chelou, lui. Bon, normalement, t'es dans une église. Zombie, va pas venir. Oh, oh là là. Quand même, moi, il fait flipper. Je ne pensais pas que nous nous reverrions un jour, Tabata. Qu'est-ce que c'est moi, maintenant? Je suis le mec, moi. Vous me ressemblez? Moi, je suis un Jules. Qui êtes-vous? C'est la question que je me pose. Il se passe quelque chose qui nous pervertit, même la jeune Marie. Certains jours, Marie est la jeune fille douce et innocente que nous aimons. Mais parfois, elle change. Elle a en elle une malice si puissante qu'elle m'effraie. Dieu me pardonne, mais j'aimerais que tu sois avec moi, Tabata, pas Marie. Même tout le monde est possédé, hein, jeune. Marie. Son emprise sur toi t'empêche de voir la vérité. Tu changes le sens de mes propos. Notre sœur vit. Elle se tient près de moi. Je sais que tu la vois. Ce n'est pas l'œuvre du mal. David a beaucoup de peine. Il est désemparé. Je ne suis pas perdu. Je dis la vérité. Ben, il va aller chercher de l'aide, c'est le fun, non? David, non, il est juste taré, le prêtre. Je te le promets. Je ne suis pas un danger pour elle. Pour rien au monde, je ne mettrai Marie en péril. Hé, minute! Ah, t'es-tu dans le passé? Non, je suis revenu là. Professeur? Ok. Andrew! Ok, fait que moi, pendant que je parlais au gars. Ah, oh, c'est pour ça que ça je y comprenais y pas de quoi on parlait avec le prêtre. Ok, attends, je vais juste te dire. Moi, le Vincent, le Vince, le gars qu'on a croisé dans le bar, il est venu me parler puis il m'a dit qu'il allait aller chercher de l'aide. Voilà. Ah, d'accord, ok. J'ai dit que je lui ouvrais pas la porte puis il m'a dit je m'en vais chercher de l'aide. Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lancer des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Je comprenais pas, Robin, il avait vu un prêtre où? Parce que moi, je suis pas allée dans le passé. De l'aide. De l'aide. Et la petite? Robin. Marie. Ouais. Ah, j'articule pas assez. Sommes-nous à l'abri? Quelqu'un a vu d'autres entrées? J'ai pas vérifié. Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Il va aller chercher de l'ail pour faire des pâtes. Normalement, Zubida, elle va pas pouvoir rentrer, là. Là, regardez. Ah, en même temps. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit... Le gars, il va aller chercher de l'aide, quelqu'un pour nous aider. C'est quoi, t'as toujours pas compris? Nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nous aussi. C'est Marie qui est possédée, la gosse. Elle était possédée en 1600, je sais pas combien. Et en fait, elle fait croire au prêtre, parce que le prêtre, lui, il essaie de tuer tous les sorcières et les gens possédés. Elle fait croire au prêtre que tous les gens de sa famille, ce sont des gens qui sont possédés. Mais en même temps, elle va bien, quoi. Ce qu'elle voit, la croit. Ce qu'elle voit, Marie, c'est nous. Oui. Fait qu'à quel point elle est possédée? Parce que c'est nous qu'elle voit. C'est pas le diable, c'est nous. Fait que je sais pas à quel point elle est possédée. Mais c'est elle le diable en fait. C'est pour ça qu'elle te voit. C'est elle le diable. Elle est à l'intérieur d'elle, c'est elle.
C'est elle qui est le diable, en fait, et, mais pour ne pas se faire accuser et se faire brûler vive, entre guillemets, elle accuse tout le monde. Et vu que les autres nous voient aussi, ben elle les fait passer pour tarés. C'est toi, Liob, Mary. Ah, donc c'est Facebook qui doit encore avoir des bugs. Voilà, Mary, c'est sorti. C'est Liob. C'est qui, Liob? C'est Liob, mais dit en joual. C'est Liob. On va aller chercher de l'ail. Exact, Robin. C'est des gens qui articulent pas bien au lieu de dire le diable. De vous dire le diable. Mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Donc voilà, tu vois comme elle les amadou. Elle dit non, mais ils sont bien, ils sont gentils. Mais elle fait en sorte que le prêtre pense qu'ils sont possédés, tout en prenant leur défense. Qui s'occupera de moi sans toi ? Voilà. Comme ça, le prêtre pense pas que c'est elle la mauvaise. Il sera ton tuteur. Très intelligent. Une décision qui ne fait pourtant pas une manipulatrice. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. Oh mon Dieu, Seigneur, non, non. Oh ! Oh ! In extremiste. Ouais, mais regarde, là, il pense qu'il vole. Toi qui tu voulais que j'épargne, comprends qu'il n'est plus de ce monde. Tu comprends? Seuls les démons et le diable. Là, il pense encore plus que le diable est après lui, là. Ouais. Ouais, mais s'il meurt pas, il va pas vouloir venir me tuer. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'ils font? Oh. Donc ça sert à rien, je pense, de les sauver. Je pense pas que tu peux les sauver. Ah, attends, non. Peut-être ça change. Parce que si là, j'ai essayé de le sauver, il va peut-être pas vouloir me buter, là, maintenant. Parce que c'est je le passé. Sauver, moi. Ouais. Mais dans le sens. Le passé, c'est le passé. Fait que je pense pas que tu peux les sauver. Ils sont morts. Tu peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, mais je pense que je peux changer le fait qu'ils essaient de me tuer. Parce que les deux premiers, j'ai pas pu les sauver. D'accord? Ok. Et ils essaient de me tuer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Là, lui, je l'ai sauvé. Bon, on va le savoir, là. Peut-être qu'il va pas vouloir me courir après pour me buter la gueule. Qui sait? Mais Robin, l'ail, c'est pas vrai, là. C'est des blagues. Y a pas d'ail là, dans le jeu là. Y a pas d'ail dans le jeu. Je suis qui moi, t'as-tu vu? Attends, je regarde. Toi t'es Daniel. Oui, puis moi je suis. Tu es le jeune. Moi je suis Taylor. Je suis la fille. Ouais, t'es toujours la fille. On a échangé. Ouais, on a échangé. Tu rêves, il a dit. On rien. Sait jamais, question. Pourquoi elle voudrait me buter trouve, maintenant? Mais... Pas de raison qu'elle me bute. Je l'ai sauvé, ce con là. Salut Mickaël. Les gens qui se sont vus mourir accueillent aujourd'hui un tout nouveau membre. On dit bonjour à Daniel, tout le monde. Il y a des avantages? Ouais, un pins, il est mort, pas moi. Un t-shirt, mentir. Tu vas te le croire. On est en train de perdre un temps précieux là. Pourquoi Mary voulait-elle qu'on voie David se faire exécuter? Mary, le... Il est comme ces gosses qui aiment torturer des insectes. Une sadique pur jus. Non, c'est pas si simple. C'est plus compliqué que ça. C'est une possédée. Bon. Allez. Oh, voilà. C'est qui? Le truc qui nous poursuit. Il ne faut pas le toi, laisser ça. Nous coincer ici. C'est ta meuf, Taylor. Une cible. C'est accompli. On sait pas. On sait pas. Pour l'instant, il n'y a que Taylor. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce truc dehors? Silence. Fait qu'au fond, là, en ce moment, il y a juste John et Andrew qui sont pas pourchassés, puis peut-être Daniel. Pour le moment. Mais si ils décident de venir nous chercher? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Vraiment, Robin. Un lieu sacré. Tu vois, une église. Ce jeu est sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? Ah, un vampire! Elle vient de dire vampire, fait que ça prend de l'ail finalement. On est en sécurité, on reste ici. Mais c'est ça, elle a dit, je crois que c'est un vampire, c'est pas un vampire, mec, ça marchera pas. Ce truc me poursuit encore une fois! C'est moi qu'il veut! Vous avez toujours pas compris, Scott n'a pas pu la sauver. Dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Désolé, mais je suis avec eux. Un pas dehors et on crève. Vous avez gagné, mais si ce machin rentre ici, moi je me tire en vitesse. Ok. Fait
Fait qu'on s'en va? Ok, non. On change de pièce. C'est comme dans The Grudge. Non. Oui, c'est dans The Grudge. Qu'elle fait... Je connais pas ce... Je sais plus si c'est le cercle. Ou c'est... Non. Le cercle. Oui, c'est ça, c'est le cercle avec ses cheveux longs. Ouais. J'avais ma nièce, elle était petite, très petite, elle était vraiment petite, elle devait avoir 7 ou 8 ans. Et elle avait des cheveux très très longs noirs. Putain, et un jour, elle s'était réveillée dans la nuit. Et elle était sur le rebord de la porte avec ses cheveux tout devant la tête. Non. Ma sœur, elle s'est chiée. Et Alex, il a dit, tu as regardé autour de toi son ami, il ne venait pas. Je viens de le lire. Là, il est bien trop concentré dans Diablo 2, là. T'as trouvé un secret? Ah, ouais, ici, il y a une lettre du révérend Carson. Mais t'es qui, toi? Merci, Utam, pour le follow. The Ring, c'est ça. Ah, c'est drôle, parce que... Moi, je l'ai... Oh, non. Laisse sa grand-mère. Ah. Oh, c'est pour toi, la mienne. C'est pour moi, ça. Ça. Merci beaucoup, Alex, pour le partage. Ah oui, mais moi aussi, je vais avoir l'autre qui va vouloir me mettre des trucs dans l'œil, là. Ah non, non, non. Tout le monde est là. Tout le monde est au rendez-vous pour nous tuer. Bon, ben ouais, même si j'ai essayé de te sauver, sale bâtard. Pourquoi j'essaie de me buter? C'est critique, là, le monde est là. Ah, le soleil commence à se lever. Ah bon? Non. Je pense que mon jeu a buggé. Non, je pense que mon jeu a buggé, là. Ouais, c'est sur PS. Confrontation, s'échapper. Non, s'échapper, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah non, je suis allée le confronter, moi. Je m'en suis... Mon jeu a vraiment buggé. C'est bizarre. Je l'ai tué ou pas? Frappe-le. Tiens, je l'ai défoncé. J'essaie d'aller t'aider, mais je te trouve pas. C'est pas grave, je suis partie en courant avec le professeur. Salut, Passa, bienvenue à toi. Où tu es, Taylor? Allez! C'est la copine de Taylor. Il faut faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Oh non, non, qu'est-ce que je fais? Oh non, non, parle. Confronte, toi aussi, vas-y, va lui buter sa gueule. Moi, ça a marché. T'as marché? Ouais, ouais, moi, je me suis barrée. J'ai réussi à lui buter sa tronche. Confronte. Ok. Faut que je confronte? Elle m'a attrapé, là. À moi. Fais-le. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, confrontation, j'ai un couteau. Vas-y. Défonce-la, voilà, t'as le couteau, toi. Vas-y. Défonce-la. Ben, je sais pas, moi, je suis au milieu de la route. Qu'est-ce que je fais? Ah, oh, j'ai manqué. Oh non, Sarah, crève pas. J'arrive. Oh non, non, je suis en train de mourir. Elle est en train de me brûler à vif. Oh! Allez, Sarah, oh! Vas-y. Tu peux le faire. Non, elle est en train de me brûler vive, là. C'est trop tard, t'es morte. Ouais. Oh merde, on a perdu Sarah. Mais là, on a des bugs ou vous avez des bugs, vous, ou pas? Oh, mon Dieu. Ah, putain, on a perdu une... On a perdu une coéquipière. Elle m'a brûlé vive. Mais en fait, je fais des allers-retours au même endroit, là, depuis tout à l'heure. Mais est-ce que t'as vu? Non, je peux pas marcher. Quand je suis morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai rien vu. Je peux pas avoir. Dans l'œil de mon double, il y avait les cadenas de caractère qu'on n'avait pas débloqués. Ah, d'accord, ok. Bonus débloqué. C'est l'or. Ce truc-là. J'ai pas pu. Elle m'a touché une fois, puis j'ai prise en feu. On n'a pas pris beaucoup, hein. Bon, c'est bon, on en a quand même perdu qu'une, hein. L'enclavier, elle est pas morte, hein. Parce que moi, la vieille, j'avais réussi à la dernière fois. Elle s'est sauvée, hein, la vieille. Après, elle est où? Je sais pas. Où est Taylor?
Où est Taylor? Oups. Taylor. Elle s'en est pas sortie. Comment ça, elle s'en est pas sortie? Ou au moins qu'on l'a perdue, la vieille. Tu vas me dire ce qui est arrivé à Taylor, vite! Pas de bug, alors c'est mon ordi. C'est terminé, Daniel. Elle est morte. Donc la vieille, on l'a perdue aussi, mais c'est bizarre, attends. Elle a réussi à s'échapper, la vieille, je l'ai... On va la revoir plus tard, c'est sûr. Il faut qu'on aille chercher Taylor. Elle a besoin d'aide. Ah, ben, elle a pas besoin d'aide, Taylor. Non. On ne peut plus rien pour elle. Et ouais. Je pense que c'est moi qui pensais que j'allais crever. Ouais, je m'excuse. J'ai pesé sur Cory. On devrait se poser. On est à l'écart. Elle a appuyé sur carré. On craint rien ici. Normalement, carré, c'est la touche, les gars. J'ai paniqué, j'ai fait carré, mais c'était rond. Mais juste une pause. Avec c'est juste que ça ressemble. Carré puis rond, ça se ressemble, puis ils sont presque de la même couleur, fait que ça m'arrive souvent. Tu dormais? Impressionnant. Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici? On va faire un petit dodo dans la forêt. Écoute, une chose est sûre, personne ne viendra nous aider, on est seuls. Ça m'en a tout l'air. Notre seule chance, si on y réfléchit, j'ai le dos qui me d'arrêter la petite Marie. Trouver Marie, l'arrêter. Et la buter. Ouais, ok, mais... Il faut le couper la tête. Celle qui arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est notre Marie. Fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Mais c'est vrai, Alex, ça se ressemble. Même il y en a un qui est rose, puis l'autre il est un peu rouge. C'est vraiment proche dans la couleur aussi. Là. Ça me prend toujours 2-3 secondes pour comprendre. C'est lequel. Mais comment? Elle est peut-être même pas réelle. Et on lui dit quoi? Eh, s'il te plaît, arrête de nous faire psychoter. On doit essayer. Il faut le faire pour nous et pour les autres. Marie est la clé de tout ça. Ah ben oui. Doute. C'est facile à dire pour lui et pas pour chasser. Ok. Si on arrive à l'arrêter, tout sera enfin terminé. Oui, si on la revoit. Rien n'est certain ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Mes yeux se sont mis à brûler tout d'un coup. Mais ça va mieux maintenant. Chut. Oh mon dieu. C'est quoi? Chut. C'est la vieille! Cachez-vous! Vite! J'ai entendu une voix de femme. Pas de bruit. Angela! Mon dieu, il a fait le saut, Angela, elle a eu peur. Je suis pas très en forme. Je vous croyais. Morte, comment avez-vous réussi à nous trouver? C'est juste... Enfin... On est content de vous voir. Allons, vous allez me faire rougir. Mais merci. Vous êtes coriace. Je trouvais que c'était bien calme. Où est-elle or? Elle a cramé. Dis-moi. On en parlera quand on sera parti d'ici. Pour l'heure, c'est la vieille. L'important est de vous mettre en sécurité. Allez. On a vu d'autres de ces créatures pendant votre absence. Un de ces monstres a pris Taylor. Non. On n'a rien pu de faire. De quoi, Sarah, pardon? Dunzi, ses lunettes. Le gars, il a oui, ramassé ses lunettes. Il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Je mets la lunette. Oh. Mémé à la côte. J'ai oublié que j'avais ça. La vie, je suis ravi de vous les rendre. J'ai eu assez peur de ne jamais pouvoir. Merci. C'est très aimable à vous. Oh. Un verre est cassé.
Je devrais peut-être casser le deuxième pour m'épargner toutes ces horreurs. Jamais content. Non, c'est là, je devrais me péter le deuxième pour m'éviter toutes ces horreurs. C'est pas con. L'idée me plaît bien. C'est pas con. Quelque chose nous suit. Il faut continuer. Ah, mon Dieu. Bah, c'est la tienne, hein. C'est ta pote, là, ma vieille. C'est toujours l'autre enchaîné, là. Parce que moi, je pense que j'ai buté mon bonhomme à moi. Tu l'as buté? Je sais pas. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Hey, le philosophe. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Il est trop classe ce jeu. Tu fais le jeu presque que pour lui. Ouais. Que les gens ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées. Et Taylor est la seule âme perdue, pour l'heure. Une petite idée... Il arrête pas de me rappeler mon échec. Caché dans la brume, il y a comme un air de foire des Taylor. Moi, Robin, j'ai déjà joué une fois, puis je comprends pas plus. Je comprends rien à ce jeu. Ah bon? Non, moi j'ai bien compris. Il y a trop de choses qui se passent, on dirait. J'arrive pas à faire des liens. Ah, moi j'ai tout compris le jeu, là, moi. Station de rail, de trail. Rester sur le sentier. Ah, station, j'ai dit, moi. N'importe quoi. Stay on the train. Station. Rester dans le train. La station de train. Oh, la meuf, je sais plus lire. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Pour ma part, j'espère ne plus croiser cette petite où que ce soit. Il n'y a qu'en arrêtant la petite qu'on arrivera à partir d'ici. Restons bien attentifs. Mais je pense pas que t'es capable. On va en avant, on lui coupe la tête. Venez voir un peu ça. Faut suivre les lucioles. Tombe. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous? C'est un peu bizarre. On m'a pas fait peur cette fois. Moi j'ai eu un peu peur. On dirait pas moi là. Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. Navré de vous importuner à cette heure tardive, mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. C'est le jeune, ça. Ces événements nous troublent. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire tandis ça, qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble... Dis rien du tout, tu vas crever toi aussi. Et toute la communauté en pâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre.
Ils parlent tellement pas pareil, les deux. J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Parle à la je cour. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce que j'ai dit. Comme vous l'a dit votre ami. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant je condamne une enfant. Alors vous devez protéger votre ami et dénoncer Marie. Les accusations, les exécutions, tout ça, c'est de sa faute. Vous devez dire la vérité. Vous êtes le diable. Le diable, vous avez été maudit. Moi, je dirais rien à ta place, mec. Tu vas te faire cramer, toi aussi. Le prêtre là-bas, il va croire que la petite. Pourvu que ça suffise à arrêter cette gamine et à nous sauver. Je sais pas. J'ai l'impression de m'être trompé. Et alors, vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Bon, on t'a vu toi, mec. Mais j'avais raison depuis le début que le mec, c'était le jeune. Et Damien m'avait dit que c'était pas lui. Nous alors que oui, c'est lui. Quel jeune ? Ben, le jeune à qui on parlait, là. Ouais. Et au début, on l'a vu, j'ai dit ça c'est le petit jeune, et Damien m'a dit non, c'est pas le petit jeune, lui c'est quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est le petit jeune, parce que maintenant on vient de valider. Peut-être qu'il pensait que tu parlais de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a dû, ouais, il a dû se tromper. Ça, je me disais, mais ils se regardent comme, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, les deux. Là. Je suis en train de regarder quelque chose. T'as passé devant. Il n'y avait rien à voir là-dessus. C'est une poupée, mais on la voit pas bien. Ouais, c'est dans l'arbre. Dans l'arbre, c'est une poupée dessinée, je la vois, mais c'est un peu la merde. Un bonhomme allumette, là. Mais maintenant, je alors, vois plus rien. Tu viens? Ah, c'est... Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. Il doit y avoir une issue. En arrêtant la petite, en stoppant les procès... J'en sais rien. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. On n'aura qu'une seule chance. Sûr. Si on la rate, on l'a dans l'os. Terminé. Alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Allez, on va voir. Mais ça fait 10 jours qu'on est là-dedans. La nuit, elle est interminable ou quoi dans ce bled? Mais des fois, ça nous dit quelle heure. Prémonition, les gars. Je vais la regarder. Dans... Alors... Je l'avance. Ah, mais ça, c'est le mec. C'est le professeur. Le professeur, il se fait étrangler. Il se fait étrangler? C'est fermé. Bon, le comme but, ça sera qu'on le sauve. Oh, il se fait même casser la mâchoire en même temps. Le maire salue la transaction immobilière. Les protestations risquent de... s'intensifier à l'approche de la fermeture. Okay. C'est parti. Venez voir ça.
C'est l'autre, non? Ah, il est revenu. Y a-tu de l'aide? Ce type est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez, entrez! Mais c'est ça, rentre pas là-dedans, mec. T'es presque plus en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur, mon gars. Eh ben, pas quoi pousser de cris. Personne n'est venu là depuis longtemps. Oh ah. Tu m'as fait peur. Hein. À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable. Est-ce qu'on l'accuse ou on l'accuse pas? Est-ce qu'on dit que c'est la fille? Du faux. Rien de bon n'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Est-ce qu'on accuse la petite fille ou pas? Sais-tu? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et je vous moi, je l'accuse, mais... Vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Wyman? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir allô, Sabrina. Un jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Ah bah, pas qui problème. Suggérez-vous à sa place, révérend? Toi, vas-y, prends-la, mec. Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Ah, vas-y, ouais. On te la donne. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Si je peux dire que moi, elle me fait flipper... que je veux pas la garder sans l'accuser de taré, on le fait. Mais en même temps, salut à toi Sabrina, dit... comment ça va? Je ne sais. Le révérend, il a dit au début, conscience me dicte, ne dis pas notre secret. C'est lui puis la petite fille, c'est vrai. Ils sont de concert là. C'est pas facile, bien sûr. Merci beaucoup Aurélien pour le partage. Marie. Si je vais super bien Sabrina et toi. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie, ni aucun familier, aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puérile. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour. Mais t'as peut-être raison, Sarah. C'est peut-être lui le diable. Le révérend Carver, ouais. J'ai l'impression que le révérend, il est pas correct. Il veut tuer du monde, il veut juste accuser n'importe qui. Ah, ben tu m'étonnes que tu as la forme, c'est clair, quand tout. Il y a du soleil. Avez-vous revu le sosie d'Andro? Ça fait toujours plaisir. Oui, absolument. Il a dit au juge que Marie leur avait menti, qu'elle avait tout inventé. D'accord, et maintenant? Je suis pas certain d'avoir bien fait. Enfin, au moins, on sait qu'on peut influencer les choses. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça s'est bien passé comme ça. Bon. C'est quoi ça? Il faut y aller. Ne restons pas là. Mais elle ressort par la porte, mec. Pourquoi tu restes dedans?
trouver une manière de sortir, mais bah, par la porte dans laquelle tu es rentré, copain. Des fois, ils font rire. Hein. Placer le code. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Les années bénies de mon enfance. Tout était encore possible. Il y a forcément une autre issue. T'as trouvé une belle photo? Ouais, c'était sympathique. Des gens un peu moins vieux que ceux qu'on a l'habitude de voir depuis tout à l'heure. C'est ceux du prologue, au fond, non? Je sais pas. Ils sont. Ils datent d'il y a pas longtemps, quoi. Ouais, mais tu sais, dans le prologue, il y avait le père Sou, là, qui allait dans l'usine. Ah non, non, je crois pas que ce soit eux. Ah, okay. Peut-être. Non, ils avaient l'air quand même un peu plus chic qu'eux. Hein. Mais bon, après, c'était peut-être le même temps. C'est possible. C'était peut-être juste. Ils s'étaient habillés pour la photo, là. C'est quoi ça? Vous allez vous faire foutre. Okay. Très cool, ça. Suite à notre récent entretien disciplinaire, je vous ai écrit au sujet de vos problèmes d'assiduité et de votre comportement. La direction a fait tout son possible. Ah. Venez voir ce que j'ai trouvé. Excuse. Tu m'as coupé. C'est pas grave, ça devait être pas très super intéressant. J'ai trouvé une photo, puis... Ça, c'est la famille du prologue. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont... C'est sûr que je comprends pas le lien entre les deux. Entre la famille du prologue aussi, qui était comme nous, mais c'est puis la famille du passé. Chaque génération, en fait. Donc chaque passe-temps... Attends, on va attendre qu'ils aient terminé de parler. Je vais te dire ce que j'ai compris. Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar. T'as vraiment envie d'un souvenir? De cette nuit? De ce lieu? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Donc Marie, elle n'est pas morte, de base. Ça, c'est un cauchemar. Tu le penses? Si c'est mon cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans? Donc Marie, elle n'est pas morte, elle a survécu pendant toutes ces années. Et je pense qu'elle est dans Little Hope, elle est toujours là. Et donc chaque, je sais pas moi, chaque 50 ans ou chaque 100 ans, il va y avoir une famille qui ressemble aux personnes du passé. Donc à ses parents. Ses parents, à son papa, à sa maman, à son frère, sa sœur. Et automatiquement, toutes ces personnes-là, elle va renaître, tu vois, la petite fille qui était dans la famille qui est morte brûlée. Ben, c'était Marie à la base. Ouais. C'était la petite Marie avec son papa, sa maman, qui ressemblaient tous, pareil, à la même chose. Là... Attends. Le seul truc qu'il y a dans notre temps à nous, c'est que c'est nous, la petite Marie, c'est pas notre fille. Peut-être que le temps déconne. C'est un peu différent, vu que maintenant, dans le temps, c'est tout évolue. Mais la gamine, il y a une gamine ici, dans notre temps à nous, qui ressemble à Marie. Du moins, j'ai l'impression. D'accord. Qui est à Little Hope aussi. Mais vu qu'elle, elle est née, elle a dû peut-être, comme tu dis, se faire adopter ou quoi que ce soit. Elle est dans Little Hope, mais elle n'a pas sa famille à elle. Et il faut qu'elle réunisse toute sa famille dans Little Hope, d'où nous. Il fallait qu'on soit à cet endroit-là, il fallait qu'on ait cet accident-là, parce qu'en fait, nous, on est les personnes de ce présent-là, qui étaient les personnes du premier passé à l'époque des sorcières. Et en fait, c'est une sorte de malédiction qui est reproduite indéfiniment, et elle doit tuer encore à chaque fois toute sa famille, parce qu'il n'y a que sa famille quasiment qui crève à chaque fois. Là, les sorcières, les trucs des sorcières, elle a fait tuer sa famille. La famille entière... qu'on a vu au prologue, ben c'est que sa famille qui est décédée et le reste des gens ils sont pas morts. Non, c'est ce que je veux te dire. Et là encore une fois c'est que nous, parce que regarde le mec, le métissé, il lui est rien arrivé au gars. Pourtant il y avait la créature bizarre. Parce qu'en fait c'est toujours c'est la famille, je pense, qui est possédée et qui a une malédiction sur elle. Ah bon, tu as été jarté du live? T'as dit quoi comme connerie? Salut, merci beaucoup Joanne. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il y a une malédiction sur cette famille-là, ces gens-là, spécifiquement. Et tous les descendants de cette famille ou de ces gens doivent subir le même sort. Mais c'est à Little Hope que ça doit se passer à chaque fois. C'est vraiment une bonne théorie. C'est quoi ce bruit ? Quelque chose dans Moi, je pense que c'est ça. Hein. Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir. Salut, Jean. Vite. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est bizarre que ça soit à chaque fois les mêmes familles qui soient touchées. Ah ouais. Par contre, voilà, quel est le lien entre la nouvelle petite Marie de notre temps et nous, vraiment?
Parce que voilà, d'habitude c'était vraiment familial, mais là. Là, à moins que, vu que tout, à chaque fois, il y a toute sa famille qui crève, au bout d'un moment, les générations, avec le temps d'aujourd'hui, ça déménage, ça voyage un peu partout, donc ça s'est un peu trop éparpillé. Et vu que la ville, à l'époque des parents qui ont brûlé... Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment sa famille, parce que, dans le sens où ils meurent tous, fait que clairement, ils peuvent pas revenir, mais c'est comme s'il y avait une famille en quelque part qui deviendrait sa famille. Ce que je pense, c'est que à la base, il aurait dû y avoir chaque fois Marie à Little Hope. Ça va posséder, le diable possédé à Little Hope avec famille. Attends, ouais. Attends. Merde, j'ai raté. C'est ça. Non. Oh. Merde. Dépêche. Mène-toi, Sarah. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je l'ai accroché. Je voulais te remonter. Oh merde! Quoi? Quoi? Pourquoi tu m'as lâché? T'es pas lâché? Tu m'as dit de partir, t'as lâché. C'est toi qui as lâché. Pourquoi j'ai lâché? Est-ce que je vais me défendre toute seule? Est-ce que je vais encore le buter comme j'ai fait, moi? C'est pas, c'est pour ça. Moi, j'ai pas voulu me recouvrir. Oui, je voulais que tu ailles vite. Mène-toi le cul, quoi. Je vais me dévorer. Je me suis sacrifiée, mais... On va y arriver. C'était ça que t'as choisi? Ouais, mais moi, j'ai pas voulu dire courir. J'ai voulu dire vite. Dépêchez-vous, quoi. C'est bon, j'ai gagné. Ah, ok, tu voulais me dire dépêche-toi, puis à vite. Tu te fais comme vite courir, puis laissez-moi ici. Mais ouais, mais non, moi je voulais. Moi, il y avait marqué ou vite ou apaisé. Moi, j'ai dit non, mais moi je voulais dire maniez-vous de me remonter. Il a dit courir, lui. J'étais jamais dit de dire courir. J'ai dit vite. Lui, il a lâché, puis il a fait comme allez-y. Parce que j'étais comme j'ai réussi, là, je suis en train de te remonter, là. Ouais, c'est chelou, je vois ce que tu veux dire, Céline. Mais pour inverser la malédiction, il faut buter Marie, en fait. C'est Marie le mal. Ça vient de Marie, la malédiction. Je pense que le diable, ça devait être le prêtre qui a fait en sorte de posséder Marie ou quoi. Et en fait, le diable se réincarne à chaque fois en Marie de génération en génération, en fait. Je pense. Mais c'est vrai. C'est comme ça qu'il revient à la vie à chaque fois. Parce qu'à la base, dans toutes les histoires, le diable a besoin d'un corps pour pouvoir vraiment vivre, entre guillemets. Et je pense qu'en fait, c'est une sorte de malédiction. Dans Little Hope, il y a juste passé des trucs. À l'époque, des sorcières, il y a dû avoir des vraies sorcières. Quand tu mets des malédictions, je sais pas. Pourquoi t'es l'autre bord de la créature? C'est connerie. Moi, je suis le mec, là. Je suis toujours là, je suis en train de chercher. Mais elle est morte. T'es Andrew? Saloperie. Ouais. Ou t'es John? Non, je suis le rouge, là, celui que je suis depuis tout à l'heure. Je sais plus qui c'est, lui, le rouge. Oh, t'es Daniel! Le mec okay, de Taylor, je suis. Ouais, ouais, ok. Je suis pas avec toi, en fait. C'est ça. Daniel? C'est ça, je voulais savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te cherche. Je comprends. Oh, moi aussi. Hé! Hey! Oh, je suis là-haut! Non, mais c'est bon, je l'ai buté deux fois, mon mec, là. Ça va aller, là. J'ai plus besoin de le buter encore. Je suis content de vous voir. Non, je sais pas, je prierai pas. Bisous, ma Céline. T'as l'air magané. Oh putain, il est encore là, le mec, c'est sérieux? Ah non, c'est la fille. L'a enchaîné, non?
Ah putain, c'est la vieille. Ah bah oui, parce que la vieille, elle l'a pas tuée. Hein. Non. Elle l'a esquivée, mais elle l'a pas butée, la vieille. Mais normalement, la vieille, elle doit avoir, comment ça s'appelle, les chaînes sur la gueule, non? Elle en avait pas, la chaîne. Secret trouvé. Vieille voiture. Excuse. Non, j'ai pas fait ça. Okay. C'est moi. Alors là, je dois faire compassion. C'est où, dans quoi, là, les secrets trouvés, il est marqué? C'est dans quoi que je trouve ça, déjà? Dans la collection, puis tu vas faire R1. On a commencé à en trouver un petit paquet, là. Des secrets. C'est bon. Moi aussi, je vais le prendre, celle-là. Quand je regarde en même temps que toi, ça me donne pas le secret. Ah, c'est bizarre. Faut que je regarde après. Je pense. Faut que tu te pousses, sinon je pourrais pas sortir. Donne-moi, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Kiss-moi. Burn. Alors, une page se tourne dans l'affaire du tragique incendie de la maison des Clark. Les passants ont pu voir Anthony Clark, l'unique survivant du drame relâché par la police. Mais c'est tué le mec. Jeudi après-midi, un témoin a déclaré « Le pauvre garçon, il doit vivre en enfer ». Le Herald a contacté M. Clark, mais celui n'a pas accusé. Clark retrouvé sur les lieux avec une boîte d'allumettes dans les mains. D'abord, provoquer l'incendie quand Clark t'a quitté. Mais il s'est tué, le mec, dans le prologue. Oui, il est pas mort. Ça. Il est mort. D'où il dit qu'il est... ils disent qu'il est vivant. Ouais. D'avoir provoqué l'incendie quand Clark t'a quitté le poste de police de Little Hope, on a pu entendre des passants crier « brûlé en enfer ». C'est bizarre. Mais c'est chelou. Ah ouais, c'est chelou parce qu'il était mort, lui. Je comprends pas trop, là. Il se sent un peu embrouillé, je crois, dans l'histoire et dans le prologue. Ben, elle est à la maison brûlée, là. C'est là qu'elle voulait qu'on aille, dans la fameuse baraque. Et je suis sûre que cette baraque-là, c'était la baraque du révérend Carter. Du révérend. C'est la même maison. Peut être dangereux. Du moins, le même endroit. Soyons vigilants. Donc, elle te mène tout le monde là. Tous à Little Hope seront en danger tant que vous serez en vie. Eh bien, c'est à cet endroit-là, en fait, qu'ils se faisaient tous brûler. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour. Bon, ça y est, ils vont pousser l'eau. Fait que là, est-ce qu'on essaie de le sauver? Parce que, pour moi, on peut pas faire grand-chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on le sauve ou pas, ils vont quand même vouloir nous buter. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non! Faites erreur! Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie à cause de la main de Satan. Marie. Il faut qu'on réagisse. Laissez-moi. Donne-moi donc ça. Voyez. Voyez comme on torture cet enfant. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser le démon en lui. Peu importe ce qu'on fait, le révérend, il est genre... Ayez du courage. Il faut pas qu'on intervienne, en fait, parce qu'à chaque fois, il s'en sert. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais soit que j'aidais Joseph ou que j'essayais de confronter Marie. Mais ça revient au même, dans le sens, j'avais pas le choix de faire quelque chose. Mais quelle mort étrange! C'est clair. Ils sont un peu chelous. Hein. Par contre, quel est son but à Marie de nous montrer tout ça? C'est ça le truc. À la gamine, quoi.
nous tourmenter pour qu'on voie notre mort arriver, je sais pas. Je vois plus rien. C'est foutu. On sortira jamais de ce cauchemar. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pourquoi faire ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'enfer. Ces choses ne nous lâcheront jamais. On sait ce qu'elles ont fait à Taylor. Ça ne m'arrivera pas à moi. Ouais, vous ça veut dire que c'est presque fini le jeu parce qu'on est proche du lever du soleil. Reste attentif. C'est moi encore. Putain, et ouais, j'ai pas réussi. Et moi aussi, ma fille qui me suit. Allez, c'est... Oh. C'est moche. Oh ma... C'est vrai que je suis... Ok, fait que là... Oh! Ah yes! C'était pas carré. Ça y est, j'ai réussi. Moi aussi, c'était pas carré, là, mais je l'ai eu. Mais je l'ai eu! Ah, c'est maintenant, je suis là. Ah, d'accord, ok. Quelle touche, là? Je l'ai eu aussi. T'as quelque chose, Andrew? Non, Andrew, il fait rien, lui. Il fait juste nous regarder. D'un côté, il a assez donné, Andrew. Hey, peux-tu m'aider, guys? J'arrive. Merci. Il se trompe, il me frappe d'en face. Non. Non, c'est correct. Je l'ai eu aussi, là, je l'ai. C'est, je l'ai libéré. Ah! Mon chum est arrivé comme ça quand il m'a fait peur. Pareil! Oh. Hey. Encore! À l'intérieur! Bravo, prix à GG. Il va pas te manquer, hein? Elle veut pas me lâcher. Ouais, mais non, mais je me suis. C'est pas possible, je me suis défendue, on n'a pas raté une seule fois, là. Très vite! Merde! Ça y est, c'est bon. C'était chaud. J'ai survécu. Ah! On aurait pu se couper. Attends. Allez, barrez-vous, les gars. On y échapperait, fuyez comme moi. Ne soyez pas stupides. C'est de la folie. Allez-vous-en. Je me sacrifie. Sinon, vous allez crever. Ah, ça s'est calmé. Non. Je ne le vois plus nulle part. C'est sûr que non. J'ai manqué tout ce qui se passe dans le chat, mais j'ose pas regarder le chat. Ouais, moi aussi. On regardera après, les gars. Ouais. Me faire éclater les yeux, ouais. C'est la lumière du jour. Si vous n'aviez pas été là. Je crois qu'on nous ai tous sauvés, le fait que j'ai voulu me sacrifier, en fait. La maison a brûlé, on dirait. Ok, déjouer la malédiction, ouais. Okay. Ils disent que peut-être que Mary, elle essaye de nous montrer les choses pour déjouer la malédiction. Mieux, ce sera. Peut-être, mais. Ça marche pas bien. Elle est maudite pour retrouver la vérité, elle fait peut-être ça pour déjouer la malédiction. Ouais, c'est bizarre, hein. Salut Venom. Je sais pas, parce que elle, celle de l'époque, elle était vraiment vicelarde. Ouais. Mais est-ce que c'était le prêtre qui l'a possédée? Parce que le père le disait. Le père disait bien, il y a des moments où c'est notre petite fille, et il y a d'autres moments où c'est quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Donc c'est fort possible que ce soit peut-être le révérend qui la possède à un moment, à un certain moment. Je viens de voir une prédiction de ouais, House of Ashes. Je vais aller la voir. C'est House of Ashes, c'est pas le jeu qu'on joue là. Donc, c'est celui que tu vas faire. Avec ah, celui que je vais faire avec Céline? Ouais. C'est pas mal qu'ils mettent des sortes de petites visions des futurs jeux. Franchement, j'aime beaucoup ça. Donc, ouais, après, c'est possible que la gamine, à un moment donné, elle ait réalisé qu'elle était
comment ça s'appelle, qu'elle était manipulée, mais j'ai pas l'impression. Ah, vu qu'on la suive en haut. Ah, ça, c'est la maison qui a brûlé, là. Ouais, ouais, c'est la maison. Et c'est là où ils avaient brûlé le, les gens. Mm-hmm. J'ai trouvé un truc bizarre. Moi aussi, j'étais en train de trouver un truc, tu m'as coupé. Excuse, j'arrête pas en plus de faire ça. Ça est de plus en plus dingue. Ah, mais le bébé mort possédé, c'est vrai. Salut Damien! Ah, ça y est. À la fin, ouais, on a bientôt fini le jeu. Ah, ouais, pas, on mais... est à la fin, ouais. Ah, ben on continue oui, alors, qu'il... Sarah, on le finit. Il est presque 5 heures. Dans le sens où le jeu arrête à la fin, au lever du soleil. Les 5 okay. heures. C'est sûr que ça filmait tout, là. C'est pas comme Resident Evil, là. C'est pas... c'est pas une fin qui finit plus, là. Ouais, c'est clair. C'est un truc pour éduquer les gosses. C'est un peu flippant. Elle est encore là, la vieille, oh. Putain, mais tu m'emmerdes, vieille peau. Ah, je suis l'autre, maintenant. J'ai changé de personnage. Faut comme monter. James Han, 4 novembre. Ça, c'est les deux, là. Ok, j'aime pas ça, regarder dehors. Je veux plus regarder dehors. C'est ça va ça super, qui... merci beaucoup, Damien. Ça, c'est la même chose. Ah, mais je suis toujours le même, en fait. Ah, je déteste les sons. Ah, ils s'en viennent, bien. Ah bon? Ouais, ouais, moi j'en ai vu un, il était dessous la maison déjà. J'en ouais, puis le gars il dort, c'est il encore s'en un truc, vient. Ça? Ah non, ça, je l'ai vu déjà. Vieille pauvre. Salut Damien. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est une porte? Ouais, c'est là qu'il s'en vient le gars, là. Le père, oui, là. Je sais pas, il n'y a rien là pour l'instant. La porte, elle est... Oh, rentrer, les escaliers. La vitre, elle est cassée. Mary, elle nous a montré qu'il fallait monter les escaliers, puis je trouve pas les escaliers. Ah. Je trouve pas. Attention. Ça y est. Ok.